Et on est parti. Je vais vous mettre la bonne scène. Et dès que ça démarre, bon, ça sera, comme vous voyez, 5 fois 30 secondes, 20 minutes chacun, commis de 6,5. J'aurais pu mettre 7,5 en règle française, mais bon, c'est pas bien grave. Hop, hop. Mince. Non, non, non. Retour à la partie. Hop là. Tout est bien. Ouais, ça a l'air bien. Bon, bah, bonne partie à vous trois. Je sais pas, bonne part, je marque, ok. Ah, c'est moi qui commence. Ok. Allez, un petit Yoshi. Salut Cro, bah t'es là finalement. Bah, t'as un stream à 21h, c'est ça? C'est quoi cette image? C'est un citron. Non, je me dois à une émission. Ok. Une émission de quoi si c'est pas indiscret? On peut déjà give up, pourquoi donc? Sur le speedrun. Le speedrun. C'est pas équilibré. Bon, c'était impossible de faire équilibré ici, de toute façon. Ah non, mais Podus, il est un Dan. T'inquiète, c'est vrai qu'il a marqué cette Dan, mais non, il est premier Dan comme moi. J'ai l'impression qu'on a le même niveau, Podus et moi. Donc, et on a à peu près le même style, donc ça c'est équilibré. Oui, bah, ils seront un peu avantagés, du coup, c'est sûr, mais bon, ça va. Et si c'est équilibré, il y en a un qui joue les yeux fermés. De quoi donc? Bon, on va approcher direct, allez. Pourquoi pas. Et sur le speedrun, comment ça? Dans le sens, le speedrun dans le jeu vidéo ou... Est-ce que c'est un terme assez global quand même? Désolé, la musique, je vais couper là, en plus c'est assez stressant. Je vais mettre pause à ce moment-là. Je sais pas si vous connaissez Heilung comme groupe. Speedrun dans le jeu vidéo avec 5 streameuses qui en parlent. Ok. Oui, j'ai approché comme ça. Mais en vrai, c'est plus Sansan pour approcher. J'ai confondu, je sais pas. Bizarre de. Oui, non, maintenant j'ai fait une petite erreur là, non? Je sais pas. Bon, c'est pas grave, hein, mais. Je crois que le plus classique, c'est pas une erreur, mais le plus classique c'est Satan, c'est bizarre, oui. Oui, speedrun re avec Abda, mais il y a aussi les speedruns, le 5 Dan into 3 Dan, non, l'inverse, parce que ça je peux le battre, je pense, d'aller de 5 Dan à 3 Dan de tomber. Le 3 Dan to 5 Dan de Mathieu Deizotti aussi, sur sa chaîne YouTube, sur Fox. C'est le slow run, c'est ça pareil. Et non, je suis pas off-screen. Regarde, c'est comme s'il y avait un Komoku, que l'adversaire approchait, et qu'on avait Tenuki et qu'il a approché le coin. Faut inverser les ordres des coups pour dédramatiser des séquences qu'on connaît moins. Je suis jamais invité aux soirées Rengo. Ah mais j'invite personne, hein, c'est. Il faut arriver à l'heure. 10, celui qui commence toujours, c'est script 10 minutes en retard. Bon, ici, on va jouer là. Comment ça va en tout cas? C'est mort alors. Bon, si on a le temps, on en fera une deuxième après. Donc, t'auras la prio. Il invite que des Bretons. Censé travailler. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est pas moi là, mais. Oups. Ah, j'ai misclic.
ça protège. Comment est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça va jouer agressif ou est-ce que ça va pas jouer agressif? Salut, bonjour, ici c'est Panx. Oui, bah oui, j'ai vu ton follow, ouais. Comment ça va? T'avais surpris quand j'ai vu ton follow bah, hier, du coup, j'étais en mode ah ouais, il est pas follow ici, c'est vrai, oui, parce que j'avais vu ton pseudo très souvent sur YouTube. Donc, bienvenue en tout cas, du coup, pour ton premier message. En fait, vous êtes tous censés être au travail, là. Bon, je sais pas le coup le plus passionnant du monde. Je vais lancer une partie de CK2, prendre le roi de Bretagne et mettre le feu au pays. Wow, wow, wow. Déjà, il y a aucun moment dans les dates que tu peux choisir où il y a le royaume de Bretagne. Parce que le royaume de Bretagne existait avant... Il y a eu deux phases, donc... Mais tu peux pas choisir de prendre aux dates où ça commence. Ah, c'est agressif quand même. Je pensais qu'ils feraient leur petite extension tranquille et que nous on jouerait par là justement. Mais non. Ils veulent nous surconcentrer. Et c'est logique. Bon, en plus c'est pas le plus dur à former. Hein. C'est pas le plus grand territorialement parlant. La forme est si lourde. Ouais, la forme est assez lourde. Ouais. Et tu choisis l'extension, d'accord. En fait, le problème, c'était E16, où si on t'attaque au Sansan, ben, très souvent, quand on t'attaque, imaginons cette approche, qu'on fait une pince, n'importe laquelle, hein, par exemple, et que l'adversaire approche en R3, très souvent, tu vas défendre en R2, en fait. Il faut défendre ton coin. Le jeu de Go, on dit souvent coin, bord, centre, où les coins sont d'or, le bord, c'est, les bords sont d'argent, et le centre, c'est le jardin public. Ben là c'est pareil, c'est tu défends ton coin parce qu'il y a la base de vie commune. Si l'adversaire ne répond pas, ben tu peux faire Atari. Mais s'il répond, ben tu peux jouer ailleurs. Protéger ta coupe notamment. Ou ta base de vie. Alors, gaffe, il va... De quoi? Il va devenir agressif. Et blanc s'étend. Blanc a ses raisons de s'étendre, là, je pense. Cette pierre-là, elle est un peu plus safe depuis qu'il y a C9. Il n'y a pas de groupe faible, vraiment. Ni instable. Moi, agressif, jamais. Non, t'es jamais agressif, peu douce. C'est connu. C'est toi qui me réponds, Podus, ou... Ah non, c'est Ryan Golover qui me répond. Ok. C'est un joueur français, Ryan Golover, ou... S'il y en a qui savent. Genre, en fait, je peux cliquer sur son pseudo déjà. Regardez. Non, il est pas français, a priori. Il est pas français, a priori. Il parle anglais. Anglais, oui, il parle anglais, c'est... Parce que c'est pas... L'un n'implique pas forcément l'autre. Et ça va à l'intérieur, d'accord. Pour contrepincer cette pierre-là, j'imagine. Ok. Donc là, j'ai plusieurs choix. Hein. Je peux aller en F4, F3, qui est peut-être un peu plus classique, et Sansan. En vrai, j'aime bien le petit Sansan ici. Même si ce groupe est surconcentré... Bon, avant qu'il soit faible, il y a la marge, hein. Mais on peut le laisser un peu. Et ça coupe. Du coup, c'est intéressant pour nous. Je pensais pas que ça couperait. Je pensais que ça nous forcerait à la connexion parce que le bord sud était plus intéressant. Genre une petite séquence où ça faisait D3, on va en C4, ça monte en D5, on descend en C2, et par exemple, ça continue en D6, et ça fait un mur assez sympathique. Le problème, c'est vrai, c'est qu'on aurait pu filer en L3 ou K3 en premier. Ah oui, c'était chiant. On va glisser ici. Donc le petit je sais qui.
En fait, ce qu'il y a, c'est dans cette séquence, on se demande un peu pourquoi il y a la pierre en E9, je trouve, du coup. Et ici, normalement, c'est la connexion directe. Si la pierre C9 était en C8, c'était le B6 qu'il faut jouer. Mais là, comme elle est un peu plus loin, il faut se montrer un peu plus solide. Parce que si on fait cette fois-ci encore B6, pardon, j'ai dit C6. Si on fait B6, un jour ou l'autre, ça pourrait peut-être être gênant C8. Après, là, à voir un peu, hein, parce qu'avec E9, je dis peut-être des bêtises, peut-être que ça change un petit peu les statuts. Ouais, bon là c'est un carré qui va faire face à un carré. Là je pense qu'avec cette petite séquence on revient un petit peu, mais je pense que blanc est toujours mieux dans la partie, mais après c'est le début, c'est le début. Je sais pas trop à quoi réfléchit blanc là. Enfin j'imagine qu'il hésite entre ça et ça tout simplement. Ouais. Bon on aura peut-être un petit truc plus tard, on verra. On verra. Mais attends, je pense que c'est even. À voir. Ils ont le santé. Peu douce, j'ai pas vu que c'était à moi. Ah oui, je disais Rengover, mais en fait non, c'était un peu douce. Ça pousse là. Ok. Ok. Tiens, je mets ça. Hop. Hop là. Et ça prend l'extension ici. C'est normal, je pense. C'est le bord le plus intéressant maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tac, tac. Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on pince ce truc? Je pense pas, je pense qu'on va jouer normal comme ça. On va jouer tranquille. Je pensais que là, pour le coup, face à la force derrière, ça allait faire l'ancien je sais qui. Et au lieu de finir avec un L17, ça aurait fini avec un L16. Je pensais que ça aurait fait ça, jouer le bord, plus. Donc là, j'ai le choix entre ça et ça. Si je fais ça, peut-être que blanc va monter directement. Parce qu'il a une force blanche en face. Parce qu'il a peut-être envie de venir par là. Une fois. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est pas à moi de le décider. Voyez pas grand-chose avec ce truc, je pense. Je me demande si je peux pas l'améliorer. C'est déjà mieux comme ça, non? Hop. Pour voir tous les niveaux. Hop là. C'est un peu mieux comme ça. C'est à moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Noir a joué le Kema ici. Ok. Et blanc répond là. D'accord. Oui, ça s'est vu peut-être, oui. On va venir faire chier.
Il me semble que le B6 il devait se situer en C5 donc. Donc ça joue au milieu, ok. On vient ici, on se montre un peu agressif là par contre. Enfin, c'est de ma faute, désolé, off-screen. On est un peu agressif. Ok. Désolé, chat, hein, encore une fois, j'essaie de moins en dire. Oh, déjà pour réfléchir un peu plus, mais aussi pour pas. Comme la plupart écoutent ce que je dis, j'ai pas envie d'influencer la partie, en bon ou en mauvais, hein, puisque je peux dire des conneries. Ok, Blanc n'est pas content et dit bah, je vais tout gober. Ouais, c'est Ren Golover qui dit ça. Ah non, mon Kema il aide bien. Ah, j'essaie de le mettre en valeur avec ce C8. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis pas sûr que ce soit le coup idéal, mais ils n'y ont pas répondu. Donc, oui, ça devient intéressant si l'adversaire ne répond pas, c'est sûr. En fait, c'est un détail. Hein. Moi, à la place de H5, j'aurais joué à G4, c'est tout. Mais c'est un détail, hein, c'est tout. C'est une question de goût, je pense. Salut Marine, comment ça va? Comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est pas CM. Rain Golover, j'ai pas compris. C'est il y a une faute de frappe ou c'est Pac-Man Rain Golover? Ok, d'accord, merci, merci, Cro. Je connais pas ces classiques, oui, mais c'est mal écrit. Je connais pas la chanson de Pac-Man. Eh non, désolé. Désolé, désolé. Le Cro, il m'en voudra pas parce que je lui ai fait découvrir une belle chanson aussi, donc ça ira. À toi, Offscreen. Au cas où. Au cas où, au cas où. J'aurais dit. J'aurais D8 pour noir au lieu de connecter en D6. Ah ouais. Bah non, c'est un jeu. T'inquiète. Hop là. C'est un peu haut ça. Tchouk. Je la connaissais déjà, mais ta compagnie. Oh, c'est beau. Merci. Ah, oh, t'inquiète, hein, c'est le but. Ok. Allez par ici. Hop. Vous avez prévu de faire des bébés? Ce sera un peu trop les bébés barbus, quoi. Mais t'imagines un bébé entre un belge et un breton. Tu le nourris à la bière, le truc, quoi. Des barbus qui auront mal au dos, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Comment croire? C'est ça. Désolé, j'étais en retard. Bon, c'est le bordel tout ça, non? Il n'y a pas eu beaucoup de fous-équis, on va dire. Je contredis entre les deux. C'est ça. Les pauvres ceux qui débarquent à ce moment-là, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils racontent, ces gars? Calcul vite fait, mais... J'ai l'impression qu'on meurt là. Hein. Et... Ouais, c'est très mal à répondre. Ouais. En fait, je pense qu'à la... avant F6, il fallait peut-être connecter ici en D8. Je sais pas. Noir, blanc, noir. Il n'y a pas de liberté en faisant ça. C'est mal barré tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On perd du temps en plus, aïe aïe aïe. Je vais par là. On va pas toucher en fait. Oui, tout ça pour ça, mais... J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui passe. On sauve tout. Non. Non, 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 non. On sauve rien. Salut Auréade. Hello, bonsoir. Pendant une seconde, j'ai lu. J'y aiderai. Au lieu de Godédé, fausse joie. Qu'est-ce que c'est, j'aiderai ou j'y aiderai? Ah, j'ai pas l'impression que D8 marche. Ouais, si je fais D8, vache mange tout. Ouais. Ouais, clairement, clairement. Et juste à répondre D9, je descends, il descend avec moi. Et en fait, on a toujours que 3 libertés si on tente la coupe à un moment. Et si on va là, il y a 2 libertés ici, du coup on se fait capturer avant. Donc y a rien du tout, je crois. On peut rien faire. Si ce n'est développer une sorte de moyau. Mais on pouvait le faire de base, hein, donc mes coups étaient peut-être abusifs, je sais pas. Peut-être que mon C8 était prématuré aussi, hein, c'est pas forcément off-screen. Ça joue Nobby comme ça. Exact JRP. Bon, t'inquiète. Hein. Je vais tenter D8 chef, que tu le veuilles ou non. Après, bon, c'est un jeu, hein, comme ça tu peux voir.
Parce que des fois, y a ceux qui marchent à on t'explique et c'est bon, tu comprends, et d'autres c'est il faut tester la chose et pas que dans le go, hein, il faut tenter la chose et là ça s'imprime quoi. Une chanteuse humoriste assez spéciale, humour noir, tout ça. Ok, je connais pas. Je regarderai, je vais noter ça, tiens. Où est-ce qu'elle a dit ça? Où est-ce qu'il a le choix? Hop! Rechercher, comme ça je garde ça de côté. À Vilnius, elle est lituanienne du coup? Ouais, c'est ça, ok. C'est bien, Goshi, si t'es encore là. En jouant à Crusader Kings 2, tu. Et même, j'imagine, là, plusieurs jeux paradoxes comme ça, tu progresses vachement en géographie. À force de commencer dans d'autres pays et tout, tu vois toutes les villes. C'est pas mal. Ah, du coup, je connaissais pas du tout. Je regarderai ça. Je regarderai ça plus tard. C'est une super nana, chanteuse, compositrice, une nana sylvestre moderne et beaucoup plus vulgaire. Ok. Un régal, du rire en barre, non-stop, du rire en barre. Ah, je montrerai notamment à ma copine, parce que elle aime beaucoup les humoristes. Moi, je suis moins friand, mais. C'est peut-être parce que je suis pas tombé sur les bons aussi, hein, mais. J'aime beaucoup le sarcasme. Donc bon. Mais parfois, tu fais. Alors. Ouais, mais parfois tu fais des conneries. J'étais toujours persuadé que l'île de Gotland était danoise, et non. Effectivement, c'est de l'autre côté. Trente secondes de bio, attention au temps. On n'y est pas encore, non? Ah, c'est à moi, pardon. Attends, depuis tout à l'heure. Pardon. Et du coup, blablabla, Crusader Kings 2. Non, mais je réfléchissais. J'étais pas sûr. Wake up, please. Petite binge. Salut. Ah, mais non, j'allais dire salut, mais non. Bon, mais c'est pour avoir un peu de challenge, on va dire. On développe un petit peu le moyo, on menace de faire une bonne forme en P8. On se rend, mais non, ça va bien se passer. Et on est 19, bonsoir à tous. Désolé pour l'attente du coup. En plus, Gauchy est même pas là, il m'en répond pas. Lui aussi, il fait le tour des streams en général. Ah bah non, mais il a lancé Crusader Kings 2 tout simplement. Et ça nous jalouse notre territoire. Bon, territoire, potentiel. Alors, c'est pas moi, hein. Ouais. Comment est-ce qu'il répond? Ah oui, merde, il y a la cam, il faut que j'y pense des fois. C'est vrai. Merci pour le follow, le foc. Bienvenue à toi. S'il y avait un truc à tenter, ça aurait été D9 first. Ça sent le E9. D9, ouais, je l'ai lu aussi et ça marche pas. Ça revient même.
Ça, c'est très bien joué de la part de Ryan Glover. Parce que la seule chose qu'on pouvait tirer ici, c'est effectivement en blanc fuit, on refait Atari, blanc fuit, on menace là, tac, on vient là, tac, Atari et Chicho. C'est fourbe, mais ça pouvait passer. Quoique. Tac, Atari une fois, Atari deux fois, tac. En fait, ça passait même pas, non, parce que ça mettait Atari sur deux de pierre. En fait, non, ça marchait même pas. Trop heureux, je te suis aussi sur KGS. Sur KGS? Sur YouTube ou non? J'aime bien quand il y a un follow, ça va avec son visage. Bah, je savais pas où foutre le truc et soit c'est pas assez. Bah, l'image elle est trop petite si je mets sur les infos en haut ou en bas, je trouve. Ou alors j'ai pas envie de foutre ça sur le Goban. Mais du coup je me suis dit, bon allez, je m'en fous de mon visage. Mais c'est vrai que si un jour il y a 10 follows d'affilée, bon bah adieu Pierre, à deux Modoki. Enfin bref, toi. En tout cas, salut à toi, le fuck. Ah, c'est ce que je me demande du coup. Ce qu'il fait dans les animaux. Yep, ok. Ah, c'est pas moi, hein. Non. 2, 3, 4, 7. Bon, au moins, la coupe G4, tac, H3 n'existe plus trop, au moins. La cam, Brise. Ah, pardon. intéressant. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vache, c'est Podus dans la partie. Il a pas le même pseudo. Ouais. Et off-screen, c'est Jack Daniel. Et Ryan Glover n'est pas un FR. Je sais pas s'il est sur le stream ou pas, mais en tout cas, il me comprendrait pas, j'imagine. De toute manière. Et il y a toujours marqué mon truc de stream sur... mon Twitch, sur mon profil. Ah non, je l'avais retiré parce que j'étais tombé plusieurs fois. Mais ça, c'était il y a un an. Mais justement, ça fait un moment que j'ai retiré. Comme il y avait mon Twitch... Et que j'ai déjà eu plusieurs fois, malheureusement, des personnes qui venaient m'écouter sur pendant que je jouais contre eux. Et bizarrement, d'un seul coup, ça parait tous les attaques, on va dire. Comme, allez, si je disais des trucs, ils faisaient « Ah oui, merde, c'est vrai que si je suis fragile, ça se voyait, quoi. » Donc bon. Inch'Allah, ça passe. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça passe pas. Hein. Il est pas fou mon coup, hein, L5. Hein. Il est vraiment pas fou. La forme, putain, c'est assez dégueulasse. Ten seconds. 1, 2. Ah non, je suis trop sympa là, ouais.
Là, c'est à peau douce. Il regarde quel coup le plus intelligent à faire en premier, je pense. Après, souvent, on dit de commencer par l'extérieur. Ouais, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. La connexion et faire 1, 2, 3, 4, 5 contre 1, 2, 3, oui, aussi. Tout simplement. En fait, ce qu'il y a d'embêtant, c'est... non, moi, je trouve que A9, c'est pas mal. A9, c'est pas mal, moi, je trouve. Honnêtement. Entre l'œil défend et blanc qui peut construire un mur vers le du potentiel de noir, c'est assez généreux en effet. Ouais, t'as vu, hein, c'est... Je suis un mec sympa, moi. Comme ça, pendant que je les retiens, tu joues les bons coups. Voilà. Mauvaise pioche, j'ai fait le 5. Tu réfléchis à quoi, peau douce? Je trouve que c'est le meilleur coup, même si la connexion est propre, parce que ça fait 5 contre 3. Bon, là aussi, hein, mais oui, c'est vrai que c'est assez embêtant. C'est seulement que ce groupe-là est vachement mis sous pression, du coup. Sauf que là, il y a eu R12, donc c'est mis sous pression également. Et mon coup du L5 est vraiment merdique. Il aurait été mieux en L4. Je sais pas pourquoi je joue ça. Du coup, on a des problèmes. On va perdre une période. Et il y a un potentiel honneur pour noir, mais pour blanc, mais on n'aura pas le temps d'y aller, je pense. Enfin non, on n'aura pas le temps d'y aller, c'est même pas je pense, mais. Je vais peut-être poser comme ça. Ouais, je vois. Je pense que c'est. Petit F décalage sur KG, c'est le stream. Ah oui, il y a un petit décalage? Mince. Donc on est un. Ouais, 7 et 4Q les autres, ouais. Donc là, ça fait un Dan 4Q contre. Mais tu l'as. C'est marqué en bas là, non? En bas de la scène? Tu as. C'est indiqué ici? Si j'y suis. Je sais pas si on voit la souris. Ah oui, je suis. Il y a quoi? 3 secondes de décalage, ouais. Je panique. T'inquiète. Je vais monter ici du coup. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, 3 secondes. Parce qu'avant, ça me demandait, du coup, j'avais mis 5 secondes, mais du coup, ça faisait un peu plus de 5 secondes. Et j'ai retiré ça parce que, voilà, il y en a qui me disaient que voilà, ça faisait quoi, 7-8 secondes. Ça faisait beaucoup, justement. Et des fois, en plus, comme je disais, si jamais il y a des moments où il y a beaucoup de messages, moi, je suis complètement décalé, en fait. Donc, autant retirer. Jamais réussi à faire mieux. Ouais, donc ça doit être normal. Ah oui, ça m'a pas sauté aux yeux. J'ai pas fait suffisamment attention à la banderole. Bon, après, là, comme je l'ai agrandi, parce qu'on est 4 joueurs, normalement, c'est écrit en plus gros, parce qu'il y a que 2. C'est assez foutoir, donc je pense qu'on nos yeux, ils font fi de ça, quoi.
Non, c'était pas moi, Chris. J'ai joué la montée ici. T'inquiète, Oscrim. C'est pas pire que moi tout à l'heure. Donc ça joue là, ok. On va descendre cette pierre. Ouais. Ouais. Quand tu re-observes un CMAI, il faut compter les libertés. Là, tu vois, le groupe noir en a 2. Le groupe blanc en a 4. Donc, si tu joues G4, l'adversaire peut nous Tenuki. Ten seconds. 1, 2, 3, 4. T'inquiète, hein, c'est pas grave. Bah non, t'inquiète. Si par exemple, si à chaque fois que t'avais le doute et que tu disais bah du coup je vais pas le faire, bah t'auras jamais la confirmation que ça marche pas, par exemple. Donc c'est tu fais l'erreur là, tu la feras plusieurs autres fois et au bout d'un moment t'auras l'habitude et tu la feras plus. Et c'est une accumulation d'habitudes comme ça qui te feront petit à petit progresser aussi. Donc c'est normal, t'inquiète. Hein. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Je pense que c'est ça qui fait répondre, je sais pas. Ouais, du coup, ça joue ailleurs. En fait, ici, je voulais à un moment ou à un autre venir sur ce bord nord. Non pas pour faire un groupe qui fasse des points ou n'importe quoi, juste pour réduire le potentiel adverse. Et j'ai un doute sur. Et, ben, clairement, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit? Sachant qu'on a des positions pas nettes. C'est à toi, off-screen, je préfère dire. J'ai réuni la partie. Mais non, mais t'inquiète. On se fera une bonne une prochaine fois. Bon, on en fera d'autres. Jouer au Go, c'est apprendre dans la douleur. C'est si difficile de compter jusqu'à 1. Oui, on dit souvent que la plupart des joueurs n'arrivent pas à compter jusqu'à 2. Tu veux du temps? Non, non, ça va, t'inquiète. De toute façon, j'aime beaucoup les Rengo, là, vraiment. Donc, je pense qu'on... Pareil, vous aussi, j'ai l'impression... Je pense qu'on en fera... tous les jeudis. Là, il n'y a pas de limite. Ou alors, on alternera peut-être avec des simultanés, par exemple. Des trucs genre. Ça peut être sympa. Mais vraiment aller de plus en plus vers le lundi, ben je joue mes parties, voilà. Et le jeudi, ben voilà, Rengo, simultané, même peut-être aussi bien piocher dans vos parties, et on commente ça ensemble, un truc genre, ça peut être sympa. Beau programme, c'est ça, Rengo, Rengo. 10 seconds. 1, 2, c'est à moi cette fois. 3, 4, 5, 6. Année. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5. C'est clairement de l'overplay, je pense, ce que je fais, mais...
En fait, on est ni vivant en bas. C'est pas encore vivant à gauche, c'est pas encore vivant à droite. À droite où ça. C'est douloureux. On voit presque l'œil en D14 ici, c'est cool. Et ça joue comme ça. Peut-être qu'ils vont nous raider en fait aussi bien les FG après. Je sais pas. Aussi bien ils ont fini en fait. Ah bah non, ils ont fini. Pas de raid. Dommage. Dommage, dommage. Super, super ton coup. J'ai 15. Bon, c'est pas dit que sur le long terme ça marche notre séquence, mais. On essaie d'embêter. Ouais. T'inquiète, Chris et moi, on est arrivé ici. Ah oui, effectivement, ça fait un moment que ça finit. Mais après, ça dure, ouais, c'est ça, ça dure. Ça dure une heure, c'est ça, Auriad? Si je dis pas de bêtises. Va falloir penser à vivre à droite. Si. Ouais, ces pierres-là au centre, elles sont. Ah, la mouise. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Oui, j'imagine que le mec. Bon, je suis payé une heure, je me casse. Je pense pas que ce soit l'ambiance générale. Je vois pas le temps passer quand je regarde un 19-19. C'est beau. Ten seconds. One, two, three, four. Ten seconds. One. Ils ont un an, t'es tout blessé. En fait, j'ai. Ah non, je vais pas trop en dire parce qu'ils écoutent. J'allais dire qu'est-ce que j'allais jouer. Qu'est-ce que j'aurais envie de jouer, mais. On a une grosse zone en bas, hein, mais bon. Il y a Ikomi en face. Et il est pire capturé. Mais bon, ça risque d'avoir un meilleur Yossé. Ok. C'est la magie du coup. C'est ça. Salut Mad Duck, comment tu vas? Ça nous empêche de sortir. Ok. Intéressant. Faire la taille. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Ils vont enfin passer en BUMI. Là, il faut qu'on fasse gaffe maintenant off-screen. On n'a qu'une seule période. Très bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est très bien, tu as capturé le pire, c'est un peu. Bon. Pas très sympa de ma part. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. C'est clair, oui, non, oui. Bon, on est vivant normalement. Ok, c'est normal. Je pense. Ça va, toi, depuis que t'en as parlé l'autre jour, je lorne sur le tournoi de Rennes un peu. Ah oui, ouais. Tu disais que t'allais jusqu'à La Rochelle, mais Rennes, c'était. Ouais. Mais oui, ils ont sorti leur. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont sorti, mais. Hop. Je l'ai sous le bras là. Hop. Ils ont sorti le programme et tout, et ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Putain, c'est chaud. Pendant une seconde, j'ai cru. Merde, c'est moi. Alors, ici, il faut regarder. Est-ce qu'on a le droit de Tenuki ? Je pense pas. T'inquiète. Ouais, c'est cher les chambres. Ah ouais, je suis en train d'afficher, c'est surtout que c'est pas à Rennes même, donc parce que moi j'habite à Rennes, mais sinon bah je serais assez dormir, bah je serais rentré dormir chez moi, mais pff, ça fait l'aller-retour à chaque fois, ça fait une demi-heure en voiture, donc une heure par jour, c'est un peu chiant en fait, un peu chiant. Et oui, le prix des chambres, bah c'est souvent qui me somme moi pour aller faire des tournées de go ailleurs. Il faut bien dormir, faut bien manger et tout, donc voilà, tu vois le prix du tournoi, tu dis ça va, mais après il y a tout ce qui va avec. Ah, il y a trop de Tenuki ici. Ten seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ah oui, on est derrière, oui, on est derrière un petit peu. On est derrière. Il y a des choses à faire. On peut encore jouer. On peut encore jouer. J'essaie de motiver des camarades d'Angoulême pour qu'on y aille. Il y a plusieurs histoires de partager le prix. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Pour regarder, faut que tu. Airbnb, il faut que tu fouilles dans les petits bleds à côté, par exemple. Peut-être qu'il y a des choses. C'est à toi, Offscreen. 5, 6, 7, 8, 9. Ten seconds. One, two, three. Ten seconds. One. Non, ils ont pas besoin de faire B15, ils peuvent aller en B14 plutôt. Le dos, il est là pour nous tuer.
un œil ici, ils ont envie de nous retirer là et de dire ouais, est-ce que ça marche votre séquence ici. On souffre un peu. Legit. Il y en a un qui est là pour nous tuer. Ouais, c'est ça. Venir par ici. On menace de faire un deuxième œil. Ten seconds. Ok. Ten seconds. Ouais, c'est bordélique. Ten seconds. One, two, three, four, five, six, seven. Aïe, ouais. Alors, on va abandonner, je pense. On va abandonner. On est mort. Et ici à droite, non, on est vivant parce qu'on a soit T13, soit R10. C'est pour ça que j'étais descendu ici. Je me suis dit, ça ira. Mais... Bon, on va perdre pas le temps. Mais GG à vous. GG à vous. Non, t'inquiète. Hein, t'inquiète. Ouais, c'est le plan ici. Bon, le plan, hein, c'est pas un plan de fou, mais on sait de faire ça. Mais en vrai, ça marche pas très bien hein, puisque tac, tac, tac. Et ça se casse, ça connecte. Et. Je pense que blanc risque pas grand chose. De toute façon, c'est compliqué hein, dès qu'on avait deux groupes faibles et qu'on était venu, qu'on vient au milieu, c'est compliqué. Bon, on va regarder vite fait comme ça. Merci à vous trois pour la partie. Je regarde vite fait, j'analyse. Ici, oui, le coup le plus classique, 1, 2, 3. Classique pour approcher, c'est ça. Où l'adversaire fait ça, tac, tac. Vous avez peut-être déjà vu ce je sais qui, où noir et ici répond ça. Et blanc connecte, et noir continue. Ça fait un truc genre à peu près. Là on peut aller là, ou on peut essayer de faire un peu du OC. Voilà. Mais il y a ce je sais qui existe. T14 trop précoce. Ouais, c'est possible ça, oui. T'aurais pu, ouais, vous auriez pu jouer la séquence en bas pour retirer cette possibilité, c'est vrai. Hop. Tac. GG. Et du coup ici, ouais, défendre plutôt ton coin. Si l'adversaire joue comme ça, tu fais Atari et...
on s'en va, s'il vient par là, ben tu t'en... Non. On protège là, on prend la pierre et on s'en va, c'est pas très beau, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Si on vient là, attaque, une séquence comme ça, j'imagine. Mais oui, très souvent, au go, quand tu auras une forme comme ça, ce qui se retrouve assez régulièrement, hein, notamment quand tu as des situations sur un bord, tu as des pierres comme ça, et tu te fais approcher de cette manière, et ensuite l'adversaire fait quelque chose comme ça, pour essayer de s'appuyer sur ta base de vie de forme classique, et essayer de faire l'influence. Voilà, très souvent tu joues à l'intérieur. En fait, quand tu as 4 pierres comme ça, 2... et deux, donc deux Toby qui sont face, le premier qui vient jouer à l'intérieur a un avantage, parce que, comme dans la partie, ils sont venus en premier, on fait Atari, ça c'est normal, et ils connectent, eux ils ont un seul groupe, et nous on en a trois, il faut choisir de quel côté on protège, on peut pas protéger les deux côtés alors que là il y a qu'un seul groupe. Donc ça c'est, dès que tu vois cette forme, le premier qui joue dedans est avantagé, forcément. On est défend débouché sur un cavalier traversé. Ouais, c'est vrai. Ah, mon coup L5 était merdique. Ouais. Et ici, il joue là. Ouais. C'est vrai que dans la partie où, quand j'ai dit ah, ils auraient pu jouer par là, ils nous jouent par là, ou même on aurait pu aller jusque là, par exemple. Mais ouais, ce blanc aurait été vraiment conciliant, on va dire quoi. Et en même temps, on n'a pas trop le choix hein, de cette séquence. Donc tu prends l'extension, ils viennent là, tac, tac. On va regarder vite fait. Ici, je pensais que ça aurait été coupé de l'autre côté. Enfin, coupé, pas coupé du coup. Tac. On descend, ils montent, ils essaient de jouer avec ces deux pierres. Et ok, ils font pas de points comme sur l'autre séquence, mais ils font une belle influence blanc, je trouve. Je sais pas. En plus, il faut rajouter un coup pour noir. Et là, blanc, ils viennent là, je sais pas. Ça semble sympathique. Ou ils continuent. Dans la séquence blanc joue ça, il faut revenir ici. Quand la pierre est un cran plus loin en C9, comme ici en C9. Parce que plus tard ça peut gêner. Bon là ça n'a pas gêné pour le coup, mais il faut surveiller ce coup. Tac tac. Là on fait la séquence à peu près classique. Et tu viens ici. En fait, pourquoi est-ce que ce coup je suis pas très fan? Parce que un jour ou l'autre, tac, ici on peut pas faire Atari dans ce sens. Sinon, blanc peut venir ici. Si on bloque, il capture. Donc on aurait été obligé de faire Atari dans ce sens. Mais du coup, il faut surveiller parce qu'ils n'auraient pas forcément poussé tout de suite. Mais imaginons n'importe quelle séquence qui se produit par ici, où ça menace un peu nos deux pierres et ça joue comme ça, on va dire, tac, et on sait pas trop, on veut séparer. Et là, maintenant, il vient ici, on est obligé de pousser par là. Mais en fait, déjà, les pierres jouent bien ensemble de blanc, je trouve. Et ces deux pierres-là, maintenant, sont isolées, sont coupées. Donc il faut faire attention à ça, il faut être prêt à ce genre de séquence. C'est pour ça que, perso, j'aime bien la montée tout simplement, qui retire une liberté à blanc, en plus. Une liberté qui peut être utile, notamment avec la séquence en C8, où ils sont trompés ici. Bah, on sait que, dans la course aux libertés, bon, on a déjà retiré une, quoi. Ça peut servir, des fois, très souvent, ça se joue à une liberté. Après voilà, bien sûr, si on avait eu une pierre par ici, ça devient un boom. Ça devient tout à fait logique de jouer H5, hein, c'est sûr. Ou s'il y avait un Adji beaucoup plus fort pour noir de ce côté. Donc ici on joue là. Tac. Ok, il fallait commencer de l'autre côté, effectivement. D'accord. Il fallait commencer de l'autre côté. Je pensais que ça revenait un peu au même. Parce que quand blanc vient là, moi je pensais à la connexion directe. Déjà, voilà, moi dans ma tête, c'était si ça se passe comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libertés. Et blanc, il doit surveiller plusieurs endroits. Donc je sais pas si ça marche ce genre de truc. Après oui, blanc, il va jouer là. Parce qu'il a pas envie qu'on déchire dans tous les sens. Et maintenant, quand on vient ici... Ah, ça revient au même, ok. Donc ça marchait pas très bien mon truc, donc il faut connecter l'autre côté. Ok, donc c'est moi qui fais une bourde. Ici, il faut connecter l'autre côté. Et quand blanc protège, ben, on menace de couper et on se casse. Ça roule.
Si noir monte en G4 et que blanc joue en G5. Alors. Okay. On est ici. Et que blanc va en G5. Ok. Tu peux H5 sans avoir de faiblesse en G4. C'est ça, notamment. Plus blanc ici, il faut qu'il fasse attention quand même à ses formes. On sait jamais ce que ça pourrait donner un jour ou l'autre, les combos de ça et de ça plus tard. Il faudra surveiller en fait, il y a toujours des petites faiblesses. Ouais. Je me demande si ici. Quand blanc vient ici. On peut tout simplement pas monter. Si blanc connecte, on peut faire atari puis tac, couper ici. Et se casser. Même si blanc va, vient là. On peut monter parce que cette fois, il n'y a pas de. Il n'y aura pas de snapback parce qu'on a déjà cette pierre là. Donc là, il y a une gueule de tigre qui protège. Donc ça peut être une forme intéressante. De venir couper comme ça. Dans ta séquence B8 connecte par dessous. Dans l'autre séquence là? Il n'y a même pas besoin en fait de connecter par dessous parce que là tu laisses noir se connecter. Tu peux couper. Il n'y a pas besoin, tu captures comme dans la séquence de la partie. Sauf si tu parlais d'une autre séquence. C'est vrai que j'ai montré plusieurs trucs. Une fois que j'ai faim, c'est... Ici ? Et Goulon vient là ? Tac, le C de 5 pierres noires, ok. Alors, dans la partie quand je joue ça d'abord, ok, et blanc joue là, et ça, ça marche, parce qu'on peut pas couper vraiment, donc on vient là, parce qu'on coupe pas. Oui, ça a l'air de marcher, en fait, ouais, ça marchait pas du tout ma séquence, quoi. Ouais, c'était nul, c'était prématuré sûrement. C'est quoi le truc de prédiction? C'est sur Twitch, tu peux mettre gérer la prédiction, tu peux créer une question avec des choix et les personnes parient sur un résultat ou sur l'autre, notamment quand il y a des matchs ou des... Enfin, moi, c'est sur un autre jeu que je regardais ça, et du coup je mets ça comme ça, mais bon. Je pense que j'arrête très rapidement, sauf si ça plaît, mais... ça peut être sympa pour des parties de tournoi, des trucs genre. Bref, on va regarder plus loin. C'est au point de chaîne. Que t'as au-dessous, c'est les points de chaîne. Mais ça aussi, il faudra lui mettre des récompenses qui soient sympas. C'est fait pour rendre plus vivant, en fait, la commu, quoi. Tac, tac. Ouais, c'est un peu douloureux. C'est un peu douloureux, tout ça. En fait, je pense qu'ici, on peut pas aller en haut, comme ça. Ouais, c'est marrant, les produits. Je me demande si ça c'est pas sympa. Enfin, c'est ce coup-là en tout cas que j'imaginais. Ça ressemble à sur certains jeux ski, mais encore une fois, on peut pas vraiment s'autoriser. Hein. Je pense vraiment qu'à un moment ou à un autre, en fait, à la place de venir ici par exemple, si tu veux venir ici, d'abord il faut venir quelque part par là.
voir, je pense qu'il a le droit de venir là. Je pense. Ouais, mieux H16. Ouais, ça ressemble à des formes qu'on connaît. Ouais. Mais ouais, d'abord vivre. Et après, si blanc a pas réussi à trop renforcer, mais bon. En fait, c'est ça. Si blanc rajoute un coup, il y a de fortes chances que ce soit H16. Ça semble logique pour blanc, beaucoup plus que l'approche de noir. Hein. Pour blanc, c'est plus facile de trouver le coup, on va dire, que un coup par là. Même si ça marche peut-être, hein, mais... plus original. Là, on se demande s'il n'y a pas des petites approches ou... je sais pas, qui font chier. Je regarde très vite fait, mais là, en fait, c'est un peu la débandade pour noir. On fait n'importe quoi. Il y avait deux groupes faibles, donc dur d'envahir en haut. Ouais, c'était impossible, quasiment. Et ici, j'imaginais des trucs avec cette descente, mais j'avais beau lire. Je voyais rien. On a l'impression, hein, mais... Pff. Non. Bah non, on n'a même pas l'impression. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et oui, ici, ouais, c'était prématuré, le T14, effectivement. Parce que si jamais dans la séquence, il se passe des choses ici... parce que là, en fait, dans la séquence, tac, noir vient là, blanc répond là. Maintenant, moi, quand je viens ici, bah, si blanc enlève l'œil ici, noir peut venir là. Si blanc enlève l'œil ici, noir peut venir là. Donc, autant préparer le terrain plutôt. Je sais pas trop comment, hein, mais je suis d'accord avec Vache sur ce coup-là, c'est, même si bon, c'est à Ren Golover que je dis ça, je suis pas sûr qu'il soit sur le chat, mais jouer par là plutôt, ou je sais pas trop comment, hein, mais c'est prématuré, effectivement. Au 10. Non, c'est pas celui-là. Par exemple. Oui, pour empêcher de sortir, ça empêche de sortir et en même temps ça menace ça parce que ça crée deux points miaille. Effectivement. Ouais, noir T14 et blanc a eu un échange quand même assez sympathique. Clairement. Et après quoi? Quoi? Ou ça quoi? Ah oui, ça, pardon, oui. Oui, il y a quoi? Effectivement. Oui, non, oui. J'hallucine. Tac, tac, ouais. Et là, bah non, il n'y a pas grand chose, hein, comme je disais. De hein. Toute manière, ici, il n'y avait pas de bonne réponse à priori. Il n'y avait pas de bonne réponse. Parce que si on vient là, blanc peut aller là. Oui, tout à l'heure, tu disais, ah, j'ai peur de son. Tu disais. Dans le chat, tu disais, ah, son B15 ferait chier, mais il a pas besoin, parce que juste en avançant et en restant très solide lui-même, quand on vient là, il peut aller ici. Et en fait, ça, c'est un futur faux œil. Parce qu'un jour ou l'autre, je fais n'importe quoi, on sera mis comme ça, et si on ne répond pas encore une fois, il y a snapback. Donc c'est pas un œil. Donc blanc, on n'a pas besoin de prendre de... Risque, bien sûr, ça marche, hein, j'ai l'impression, mais bon. Blanc n'a pas besoin de jouer compliqué. Ça crée par exemple une menace de co. Si un jour il y a un co très gros et que Noir joue ça, ben, ça c'est une menace. Donc on n'a pas besoin de faire ça, autant avancer. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une deuxième ?